Salut YouTube! Aujourd'hui on poule. Ah non, pardon, c'est pas la même chose. T'y as cru, hein? On va tuer la planète de la volonté de Seymour ou de je sais pas quoi là. On va tuer l'arme émeraude. Je crois que c'est l'arme émeraude d'ailleurs. Je sais plus. Et 22 FF7, bien évidemment, pour des tickets. Faire des dégâts de foudre. Ha! Bah tu prends Esther, c'est fini, hein? Ensuite, tu te tues avec la LB. Bon, bah t'essaies d'y aller calmo, hein? Et ensuite, tranquillou, tu ne chopes aucun mort. Salut bro! Il augmente la résistance aux attaques physiques et magiques. Bon, c'est très bien. Moi, ça me va. Tu me permets de me charger tranquillou, mon loulou. C'est l'arme de diamant. Si, ouais. J'avais dit émeraude, ouais. Émeraude, c'est celle dans l'eau, je suis con. Attendez, je le tue, là? Non. Il a une mitigation complète. Rassure-moi. Ouais, c'est bon. T'es un bon, toi. Je t'aime bien. Bon, faut pas de mort. Alors, on va peut-être éviter de faire des singeries, hein. Ouais, et Ruby, c'est dans le désert. Ruby, je m'en souviens parfaitement. La Ruby, je m'en souviens parfaitement. Donc, salut bro, salut Poké. Salut à tous. Bah, bah, bah. C'est bien les bruitages, hein, c'est ça. Ah ouais, mais non, ça va être chiant, ils vont counter. Ah non, ça va. Oh, elles ont pas counter. Pour un coup. Alors on va faire des petits dégâts, hein. Hop hop. On va chercher Christo ici bien sûr. Donc normalement il faut le dispel, hein. Tout simplement. Bien évidemment. Bon, ça n'a pas marché. Bon, on va charger comme ça. Trompé. Trompé, chef. Trompé, trompé, trompé. Excusez-vous, excusez-vous. En vrai, si lui est assez bon, il donne les cristaux là. Hein. Ouais, nique-toi. Ah, ça va, on peut y croire, hein, de temps en temps. C'est ça. Ah, vous non. Eh, là, alors, le 7777, j'ai réussi à le faire une fois en mode au pif. D'un coup, je commence un combat, je fais, mais c'est quoi ce délire? Et je connaissais pas du tout l'astuce. Et c'est arrivé en mode random. C'était trop rigolo. Alors, je vous assure que quand ça vous arrive, vous faites, hein? Nani? Donc, les dégâts de foudre, c'est ok. Là, tu es avec une LB, on est parti. Hein. LOL. Pas besoin d'Elena pour réussir à faire ça. Ah, putain, non. Eh. Quel salaud. Vous pensez qu'on le tue pas? C'est pas crête quand même! C'est compliqué! Ah, c'est rigolo ça, tiens! Combien de tours il faut alors pour être. It's okay, cher? Mais quelle singerie ce truc! Ah, mais oui, je me souviens que le fight fallait que tu patientes pendant X milliards d'années! Et après le combat, tu gagnes auto ou je sais pas quoi avec l'arme de diamant. C'est devant Medivh. Midgar, c'est pas ça? Ah, ça y est! Mais non, mais t'as, là, t'es con aussi! Pourquoi t'as fait ça maintenant? Petit con, petit con, petit con. Parce que là, moi, j'ai peur de tuer, en fait. Ce qui va forcément arriver si je fais ça. Allez, je te la mets ta LB quand même. Sac. C'est ça, un gros tir de canon de Seymour. Alors les trois étaient infâmes. Alors moi, la préférée, c'était le Ruby. Parce que tu y allais avec un seul perso. Et les mains, elles apparaissaient pas ou je sais pas quoi. Là. C'était trop facile. Après, tu mettais Auto Phoenix. Et tu pouvais la clear tranquillou. C'était génial cette astuce. Ça, c'était un sus jeuxvideo.com. Donc voilà, Soleil Levant, qui est l'une des armes de fin, je crois, de Yuffie, qu'on récupère dans le sous-marin. Un truc comme ça. Eh ben, on va vous montrer l'équipe, hein. L'équipe incroyable, hein. Ultimate Diamond, ouais, oui. Et oui.
fallait une tactique. Ouais, il y avait des petites tactiques. Hein. Donc le stuff, hein, évidemment. Bon, tu dragon. Hein, c'est vraiment parce qu'on savait pas qu'est-ce qu'il était, hein, ce singe. Parce qu'on peut y aller en blind. C'est ça qu'on adore. Donc voilà, hein, du stuff, hein, comme d'habitude, de la dev, du HP, de la DSPR. Je ne me répète jamais assez. Prenez toujours les mêmes choses. Hein. C'est rigolo, de la résistance dans tout ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Bien évidemment, la briqueuse, hein. Tu peux lui mettre quelques dégâts si tu souhaites, hein. Mettre des éléments supplémentaires de ces éléments qu'elle tape déjà, la petite Lorraine. Voilà, c'était le fight débilos de la semaine. Oh, si jamais t'as vraiment besoin, t'as vu, hein, il faut attendre 3 tours. Hein. Donc charge les LB, envoie la saucée, et après t'es recta, t'es tranquillou, tu envoies le reste aux oubliettes. Des bisous YouTube, c'était la petite vidéo du vendredi. Désolé, pas de poule, hein. 6900 lapis, moi je trouve que le chiffre, en enlevant les deux zéros, c'est parfait. Alors, nique, des bisous.